Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sous ce magnifique soleil qu'on n'avait pas vu depuis des semaines, des mois même. On est début mars. Là, c'est parti pour une vingtaine de kilomètres VTT pur, des chemins que je découvre. Et après, on va essayer de passer aussi sur Étréchy. On va tomber sur des singles où il y aura plus moyen de s'amuser. À droite, des sacrés dégâts sur les chemins. Ça m'a tout l'air d'être les sangliers. Sinon, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Il y a un mouton et son petit qui se sont fait mal, c'est galopin. On est dans un léger vallon ici, avec en contrebas des deux côtés une sacrée étendue d'eau. Comme quoi, je vous disais, ça dépend vraiment de l'endroit où on se trouve. Quand on voit l'état de la plupart des troncs, ça fait un peu peur. Ça donne l'impression d'une forêt un peu morte, un peu mortifère quoi. Passage technique, tout se passe bien malgré le léger surgonflage. C'est dire que ces chemins sont empruntés par les chevaux, parce qu'il y a énormément d'écuries dans les parages. Ça, c'est une des premières choses qui m'a surpris par ici, c'est le nombre d'écuries. Il y a limite plus d'écuries que de fermes, tout simplement. Une surélévation de l'équivalent de quasiment 100 mètres, donc ça fait une sacrée bosse. Pas généralement longue, la pente ça fait pas semblant à chaque fois. Là on va arriver sur une petite zone sablonneuse. Voilà, ça monte avec des petits escaliers. Je vais poser les pieds à terre avant. Ça glisse bien de l'arrière, c'est cool. Pour se refaire une belle descente, il y a quelques efforts à fournir et ça monte bien. Hop, merci, bonne journée. Allez. Allez. Ouais, ça c'est bien. Sautons encouragés, ça fonctionne bien. Petit conseil. Depuis la chute où je me suis mis la clavicule, j'ai beaucoup d'appréhension sur les parties assez techniques. À gauche, c'est vraiment pas large et je peux vous dire qu'avec des pneus de fat, c'est encore plus la galère pour moi. Voilà, nickel. C'est aussi là-dedans que je trouve mon plaisir, pas forcément pour descente, mais à franchir des petites zones qui ne semblent pas si simples que ça finalement. Le vélo est dans un sacré état et moi c'est pareil, je vais revenir tout crotté, mais bon c'est pas grave, petite pause qui s'impose. En tout cas, je me suis bien amusé sur cette dernière partie, le reste bon sans plus, mais bon ça m'a permis de travailler un petit peu. Allez, c'est parti.
Les machines forestières, elles ont foutu le bordel dans les chemins. Je vois une trace de pneu de vélo. Je me dis, bon, si je vois la trace, c'est obligatoire pour moi de passer.